Je sais pas si tu te souviens de cette série où en 1867, un médecin de Boston débarque à Colorado Springs pour exercer son métier. Et là, ce médecin va avoir du mal à se faire une place et à gagner la confiance des habitants. Non pas parce qu'il débarque de Boston, mais plutôt parce que c'est une femme et qu'une femme médecin en 1867, bah c'était loin d'être normal. Et donc cette série s'appelait Dr. Quinn, femme médecin. Comptant 150 épisodes diffusés de 1993 à 1998, la série traitait de plusieurs sujets sociétaux et historiques, tels que le féminisme évidemment, mais aussi la condition des natifs américains à la période de la conquête de l'Ouest. Alors l'héroïne du show, Michaela Quinn, est également accompagnée dans son quotidien par ses trois enfants adoptifs, Matthew, Colin et Brian, ainsi que de Sully, un proche de la tribu des Cheyennes. Et donc à part ça, voici comment ça se terminait, alors attention spoiler. Et bien pour faire simple, Michaela et Sully finissent par se marier et ont une fille, Cathy, donc tout finit bien. Mais évidemment, plusieurs intrigues concernant des personnages secondaires trouvent une conclusion. Je vais pas toutes te les dire parce que ça serait beaucoup trop long, mais par exemple, Colin se marie à Andrew, le détestable Preston se retrouve ruiné à cause d'une crise financière, et Jake se marie avec Teresa et revend ses parts du saloon. A noter aussi qu'il existe deux téléfilms qui se déroulent après la série. Un qui se passe au Mexique où la fille du Dr Mike et de Sully est kidnappée, et l'autre à Boston dans une histoire de lutte sociale pour les femmes. Alors, tu t'en souviens ?